Eh bien, salut tout le monde, c'est Mikadok, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Inside. On est reparti pour 15 minutes. Alors, je regarde l'heure, il est à peu près 16h35 à l'heure où je tourne. Donc, on va s'arrêter à peu près vers 16h50, voire 55. On pourra réduire le temps. On est parti, je vais essayer de vraiment de tourner. Oula, d'accord. Je vais essayer, comme je disais, de tourner mes épisodes un petit peu plus vite, genre de moins perdre de temps pour vraiment vous en montrer le plus possible. Ah oui, ça passe, ok, non mais autant pour moi, désolé. Donc on est reparti pour 15 minutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je ne sais plus quel épisode on doit être au 7ème si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être au 8ème, je n'en sais rien, et je m'en fous, voilà. Bref, on est parti. Alors, donc là il me semble qu'on va devoir plonger en bas, hein. Ça me paraît un petit peu logique. En même temps, j'ai jamais plongé vers le haut, me direz-vous. Bah oui. Oh, génial, la petite échelle et tout qui nous attend au poil. Ouh, je le sens pas. Attendez, parce qu'on peut monter à gauche, là, sur le petit truc rouge. On va essayer, on va essayer. Parce qu'il y en a deux, donc je pense qu'il va falloir aller à gauche. Ok, à quoi ça sert, sinon? Non, mais je suis bien ici, hein, je dis pas, mais honnêtement, je vois pas trop le... Non, bon, ok. Et honnêtement, si je vais juste là et puis que je monte à droite. I have compris, les amis. I have compris. Regardez. On active celui-là. On active celui-là. Oh là putain, eh mais je suis bon en vrai, mais je vous dis même pas comment je suis bon. Ah! The Grudge! Enfin, je sais pas comment on l'appelle, cette fille, on va l'appeler pas The Grudge. Moi, elle me fait plus penser à, vous savez, dans le film L'Exorciste, une espèce de fille qui dit crève-moi, crève-moi, ou je sais pas quoi, enfin bref. Elle me fait surtout penser à ça, et là, je vois qu'apparemment, elle a des fils qui pendent. Je veux pas savoir c'est quoi. Est-ce qu'on peut sauter directement? Je ne crois pas. On va essayer du coup de continuer vers la gauche. Allez, Coco. Yop là. Bon, logiquement, maintenant, je peux monter deux fois plus haut. Allez, 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 allez. La fusée démarre. Putain, oh le nul, le nul, la nullité, le nulesque. Voilà, on y arrive. Allez, on est reparti. Alors, juste en dessous. Vous vous rappelez que juste en dessous, il y a la petite fille, là. Bon, ok, on peut rien faire avec. Ah merde, mais putain, mais je suis con. J'étais tellement, en fait, à fond dans le truc, que je me suis dit, ben, je vais essayer de chercher quelque chose, ou je sais pas, vous voyez, je vais essayer de l'aider, parce qu'elle est peut-être pas si méchante que ça, au fond. Non, 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 elle est vraiment méchante. Qu'elle aille bien se faire enculer, même. Salope, va. Excusez-moi, trop de... Croyez qu'on va devoir juste aller replonger là-haut. Vous savez quoi, on essaye. Hein. Oui, il y a notre corde, il y a notre corde, il y a notre corde, il y a notre corde. Ouais, elle fait genre... non, mais je suis gentil, je bouge pas, mon cul, ouais. Connasse. Allez hop, on monte. Ah la saloperie. Ok, bon déjà je me sens un petit peu plus en sécurité. Aïe. Alors juste en bas on voit un petit point de lumière avec une porte. On va essayer de sauter les amis, d'aller refermer cette porte. Ok, vous êtes prêts? Splash, le dernier plongeon. Go. Yous.
Ah non, 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 je suis allé beaucoup pas loin. Hop là! Ok, bon, la porte, on pouvait pas s'en servir. Donc tant pis, hein? Voilà. On va encore mourir. C'est ça, hein? Ivrogne. Bon, bah on continue, écoutez. Youp! Aïe, 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 elle va vite, elle va vite, elle va vite. Il y a un crochet, il y a quelque chose. Il y a un bouton. J'ai peur, les amis, j'ai peur. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh, vous croyez que je peux aller la pêcher? Il va tomber le truc, il va tomber, il va tomber. Eh, vous croyez que je peux la pêcher comme ça? Eh, ça serait pas énorme de ouf en vrai? Attendez, on va faire l'hameçon, on va faire le... Putain! Mais hey, je vous jure les amis, j'ai une mouche, elle était sur mon front. Putain, elle m'énerve cette mouche de merde, sérieux! Putain! Sans déconner quoi! Bon alors écoutez, là je suis passé juste après, et vous avez juste avant la salle, il y avait un espèce de crochet. Je sais pas du tout à quoi ça a servi. Je me suis dit que j'allais avancer, parce que je voyais pas à quoi ça servait. Et du coup, je me suis arrivé là, tout simplement. Donc on continue. Hop, on perd pas de temps. Saut de gizmo! On va quand même prendre un peu plus d'élan, on va assurer le coup. Ok, alors je ne sais pas du tout à quoi servait ce crochet. Je pensais qu'on devait pêcher la petite fille là. Je pensais qu'on allait la pêcher, mais non. Ok, les amis, on pousse la porte. Non, 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 on pousse rien du tout. Toi, dégage, dégage. Va voir ta mère. Putain, elle me suit, hein, salope. Ok. On continue. Là il y a une trappe. De toute façon, j'imagine que là tout va se baser sur ça. Hein. On va aller dans l'eau, l'échapper, retourner à la terre. Aïe, aïe. Est-ce qu'il faut appuyer deux fois sur le boutonio? Je sais pas. Mais on va essayer. Parce que j'ai remarqué, on appuie une fois et puis... Comment dire? Il se réactive aussitôt. I think I have... compris. Attendez, je regarde juste qu'il n'y a rien là-haut. Ah, forcément, quand on est dessus, c'est un peu moins facile. Hein. Je dirais même que c'est plus compliqué. Je pense qu'il faut faire ça. Là, vous attendez un peu qu'elle se barre. Hein. À la limite, on va même essayer de la tirer. Elle est où? Voyez, on l'attire ici. Et on se barre très 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 vite là-haut. Hi. Et normalement, c'est bon. Ok. Eh, franchement. On est bien ou pas? Oh non, je suis pas bien là. Ok, on peut passer en dessous. Bon, reprends ton air, toi. 1, 2, 3.
J'ai toujours l'impression qu'on va la revoir en fait, parce qu'on a beau fermer des portes derrière nous et l'enfermer, elle, bizarrement, elle trouve eux. Non, là par contre, c'est fait exprès là. On peut rien faire, les amis. Elle nous emmène au fond. Je peux rien faire là. J'ai l'impression que c'est voulu. Mais regardez. Attendez, j'appuie sur X. Quoi ce bordel? Elle m'a accroché un fil. La lumière est morte. Bouge, bouge, fais quelque chose. Allez, Maurice. Mais regardez ce qui se passe. Non, mais ils sont en train de me grailler là, hein. Je dis ça, je dis rien. Mais non, allez, bouge, Maurice, bouge. Dites-moi que la lumière, ça les effraie et qu'ils vont s'en aller, s'il vous plaît. Il y a un truc là, il y a un hippocampe. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Regardez, on dirait qu'il y a un hippocampe bizarre à droite là. Putain, les amis. Je peux respirer sous l'eau. What the fuck? Quoi de ce délire? C'est quoi ça? C'est... Non, d'accord, c'est une lampe. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est tombé accidentellement et volontairement dans le jeu, en gros, on s'est fait choper par l'espèce de fille aux grands cheveux là. Et nous voilà, du coup, par la suite branchés à un espèce de fil électrique. Donc là, il va falloir descendre. On a été branchés à une espèce de fil électrique avec une espèce de pompe au bout qui nous a permis de... Attends, on peut rentrer là-dedans? Qui nous a permis au final de pouvoir respirer sous l'eau. Ok, déjà les poissons nous laissent tranquille. Ok, je viens de comprendre, je viens de comprendre. Écoutez les amis, on va se laisser ici. Vous voyez que là, nous avons un nouveau petit truc à faire. Moi, je suis en compagnie. Je suis actuellement en compagnie des poissons, donc je ne suis pas tout seul. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, on essaye d'avancer le plus vite possible. Résumé de l'épisode, en gros, on s'est fait attaquer et maintenant, on peut respirer sous l'eau. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et agréable fin de journée. Prenez soin de vous, c'est important. Et bye tout le monde.